Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Glitch Fun. Les gars, je vais vous représenter le glitch que je vous ai fait ce matin, don de véhicule à un ami. Donc vous pourrez ou dupliquer ou donner un véhicule à un ami. Duplication et les geeks custom rétro. Donner à un ami, véhicule modé ou véhicule que vous n'avez pas, tout simplement. Donc il va vous falloir un bunker, un camion mobile, le Mock, un Fadjo et un blaster. Donc moi je fais ça avec un quad. Après vous pouvez prendre les véhicules que vous voulez. Vous allez perdre juste le Fadjo, le véhicule avec quoi vous rentrez dedans le camion, d'accord? Donc celui-là vous allez le perdre. Celui qui est à l'intérieur il va être switché simplement dans un autre garage. Vous ne le perdrez pas. C'est pour ça que je demande un blazer. Comme ça je pourrais rappeler rapidement le blazer pour pousser ma duplication et éviter de le bugger, de la perdre. Donc là je vous montre qu'il est dedans. Et je vais sortir le mock manuellement. Voilà. Donc là, j'ai mis ce quad là. Je vais vous montrer où on l'achète. Donc on l'achète dans Suntern. Vous mettez trier par prix. Vous avez accès au Fadjo et au CAD en même temps. Les gars, abonnez-vous, un petit pouce. Si vous avez besoin de gagner de l'argent sur GTA V, c'est ici qu'il faut rester. Merci à Kevin, merci à Kader, ils m'ont bien aidé pour cette vidéo. Donc il vous faudra un ami qui vous donne un véhicule. Le camion, un véhicule dans le camion, et un Fadjo qui coûte pas cher. Et vous pouvez faire ça avec une moto, parce qu'à un moment il va falloir vous faire tomber de la moto. Et je vais vous montrer ce qu'on voit quand on fait tomber notre collègue de la moto. Allez, c'est parti. Donc on sort manuellement le camion du complexe. Très important. Allez les gars, je compte sur vous. Un petit message, un petit pouce. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait. On est là. Team ADH, les gars. Rejoignez-nous sur Facebook. Grosse communauté sur Facebook. Glitch Fun. Et vous aurez le lien dans la description, les potos. C'est Glitch Fun sur Facebook. Allez, c'est parti, on va placer le mock comme il faut. Et on va faire un test de voir si le mock est bien garé. Donc, peu importe où vous serez, vous allez faire cette manipulation avant de commencer le glitch. Donc moi, ce que je vais faire, je vais sortir, je vais rentrer dans mon camion. Et je vais sortir le véhicule qui est à l'intérieur pour le re-rentrer. Et quand je vais le re-rentrer, il me faut la cinématique du camion où la rampe elle tombe par terre et que je suis en train de rentrer dans le mock. Là, ça veut dire que vous êtes bien placé. Vous pouvez attaquer le glitch. Donc là j'ai un peu bugué, ok. Donc là j'ai Kader, il va se mettre dans son club de motards. Il va me lancer une invitation pour me recruter. Il va me recruter, moi je vais avoir son message dans mon téléphone. Moi je vais préparer son message dans mon téléphone et lui il va se préparer à quitter le club de motards. Et quand il va se préparer pour cliquer, quitter, il va avoir un message écran noir. Voulez-vous vraiment quitter ce club de motards? Et moi, je vais avoir son message à côté, comme quoi je veux rentrer dans son club de motards. On va compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. À 3, boum, tous les deux, on valide notre message. Et là, il va rien se passer en fait. Mon téléphone va disparaître. Je suis pas dans son club de motards. Et je suis pas bugué. D'accord? Donc c'est la première manipulation à faire. Donc là, vous voyez la rampe. La rampe a baissé. C'est bon, je suis bien placé. Donc le premier bug, il n'y a pas de timing. Ce sera sur le deuxième qui sera un peu plus complexe, mais il n'y en aura pas aussi. Parce qu'au final, c'est deux fois la même manipulation. Un coup, il le quitte. Un coup, il le crée son club de motards. Allez, là, je vais commander un Fadjo. Il va me falloir un Fadjo. Et une fois que j'ai demandé le Fadjo, je peux quitter mon club de motards. Il faut que je sois libre de club de motards pour que Kader puisse m'inviter. Allez.
On ramène ça derrière le mock. Je demande à mon pote de m'inviter. Vous voyez l'arcadère, il est juste à côté. Donc votre pote, il reste dans son véhicule qu'il va vous donner. Parce qu'après, à un moment, quand j'aurai l'écran noir, il va falloir qu'il me pousse, qu'il me fasse tomber de ma moto et qu'il m'écarte le Fadjo de moi pour pas que je monte sur le Fadjo. Il faut que je monte dans son véhicule après. Donc là, vous voyez, j'ai son message. Moi, je suis prêt. Lui, il est prêt à quitter dans le message noir. Il est prêt à quitter son club de motards. À 3, boum. Ça, c'est fait. D'accord? Là, maintenant, je prépare une activité récente. C'est assez rapide. Je peux la préparer à l'avance, hein. Donc là, je prépare l'activité récente à un véhicule et je fais 2 fois PS, je reviens dans le jeu. Ça, je le garde pour après. Je reviens dans le jeu, je vais rentrer dans le message du camion. Ça va me faire, le camion est plein. Là, j'avance, flèche de droite. Là, mon pote, il est prêt aussi. Il est en train de créer un club de motards, il a un message, êtes-vous sûr de vouloir créer un message, un club de motards? Un message noir comme moi. 1, 2, 3. Je fais X et je reste accéléré. J'appuie sur accélération. Et là, je reste accéléré jusqu'à la fin. OK? Là, je suis accéléré. Le camion, il a dansé. C'est bon, on a réussi. Si le camion ne danse pas, vous recommencez la manipulation du départ. Donc là, je suis OK. Lui, il me voit. Il me fait tomber de mon Fadjo. Il écarte mon Fadjo de moi. Dès qu'il me dit c'est bon, OK. Je fais 2 fois PS. Donc, il faut bien qu'il vous fasse tomber, que votre Fadjo soit un peu écarté de vous. Vous faites 2 fois PS, cliquez lancer GTA Online et vous refusez le message. Là, je suis buggé, nickel. Dès que mon pote il me dit ça va, c'est bon, vas-y, appuie triangle. Lui il va mettre sa voiture, sa portière à côté de moi. J'appuie triangle pour monter dans le véhicule, je suis freeze, hein, et ça va vous faire ça. D'accord? Vous allez monter dans votre dans son véhicule et vous allez être téléporté dans le camion. Normal. Donc vous faites pas avoir comme moi. Attendez que votre collègue, il ait quitté le club de motards. Sinon, vous ne pourrez pas rentrer dans votre bunker. Et là, Kader, il a le même bunker que moi. Et en rentrant, je me suis fait avoir. Donc, je suis rentré dans son bunker. C'est pas grave. La prochaine fois, je le serai et je ferai quitter d'abord le bunker pour pouvoir rentrer dans le mien et vous montrer que je vais sortir le véhicule direct. Donc, le véhicule, il n'est pas freeze. Vous avez juste à le sortir du camion. Au moins, vous êtes sûr que c'est validé. OK? Voilà les poteaux, hein, c'est le plus dur et c'est ça. OK? Là, maintenant, je vais vous montrer moi qui donne un véhicule à quelqu'un et moi qui fais bugger le pote dans son camion. Donc là, on va inverser la manip avec Ader. Donc là, je vous montre le véhicule. Dupliquer, je le sors et c'est bon, je peux le renvoyer. Allez les gars, 100 pouces, 100 likes sur cette vidéo, faites plaisir, donnez la force. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tout ça, mais là, je suis reparti, je vous le dis, grosse équipe on a. Regardez taille de véhicule qu'on se donne et tout. Allez les potos, besoin de force. Allez, c'est parti, je le sors. Comme ça, je sais qu'il est validé. Au calme. Maintenant, on va passer à la manipulation 2. Je vais donner un véhicule à quelqu'un. Comme ça, vous verrez comment on fait pour pousser le gars. Donc vraiment, vous verrez que vous allez le faire one shot, hein. Vous n'allez pas fail, hein. Vous allez fail peut-être au début parce que vous allez avoir du mal avec le timing. 1, 2, 3, tous les deux en même temps. Boum. Mais il est facile, le poteau. Voilà les gars, je vous retrouve là, en sens inverse. Donc c'est moi qui vais donner à Kader mon véhicule. Je vais vous montrer la manip que il doit faire quand on vous donne un véhicule. Donc là, moi je m'inscris en club de motards. Je lui envoie une invitation. Lui, dès qu'il a son invitation, moi, je veux fermer mon club de motards. Je reste sur le message. Lui, il est prêt avec son message de moi, de l'invitation. 1, 2, 3, tous les deux en valide. Ça, c'est la première étape. Elle est facile. Il n'y a pas de timing. Ensuite, il va aller dans son camion.
Il va aller dans le message camion plein. Il va faire flèche de droite, il aura l'écran noir. Et moi là, je vais faire l'inverse. Je vais créer le club de motards. Et je vais aller dans mon message. Êtes-vous sûr de vouloir créer un club de motards? Une fois que je suis dans l'écran noir, je lui dis c'est bon, je suis prêt. Lui, il est prêt. Il va faire X accéléré jusqu'à la fin. Et moi, j'aurai juste à faire X. Si son camion est bien buggé, vous allez le voir sur sa moto, il va falloir le faire tomber. Donc là, je l'invite. Voilà, vous voyez? Donc là, club de motards. Je vais pour créer un club de motards. Donc là, je vais me mettre sur le message noir. Lui, il va se mettre sur l'alerte de son camion. Et bim, vous voyez là, il réapparaît. Et là, il est buggé. Donc là, c'est bon. Maintenant, je le fais tomber. Et je vais éloigner le Fadjo de lui. Boum, vous voyez? Faut pas que le Fadjo soit à côté de lui, sinon il va monter sur le Fadjo. Et ensuite, je vais le retrouver sur la carte. Donc, vous voyez là, il est en face de moi. Et je vais mettre la portière à côté de lui. Lui, il a juste à faire activité récente, refuser le message, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et moi, je me mets à côté de lui, avec la portière, qu'il est juste à appuyer triangle. Une fois qu'il est revenu bugué, qu'il a fait l'activité récente, qu'il a refusé, il appuiera sur triangle, et ça le montera dans le véhicule, et il va apparaître, lui dans son camion, et moi dans le mien. Et ensuite, j'ai juste à quitter le club de motards. Voilà les potos, je vous fais des grosses bises, bonne semaine, à bientôt, ciao!